Malindi, 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 mal
Quand vous allez rentrer, je ne serai pas les mêmes places. Hein. Il est pas peur. 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 Il est pas peur.
que dans des conditions vraiment misérables. On peut le dire parce que vraiment, c'est comme je dis toujours, va où tu veux, meurs où tu dois. Notre frère est parti pour travailler. Pour lui, c'était son travail. Malheureusement, c'est là-bas où il va perdre sa vie. Alors que c'était son gagne-pain. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On n'en sait rien. Seul lui-même ici. Mes chers parents, ça peut donc nous servir aussi de leçon. Nous qui sommes ici, vous êtes tous autour de notre frère Fofana. Vous l'avez peut-être connu. Moi, je ne l'ai peut-être pas connu. Je ne sais pas. Je veux seulement attirer votre attention, notre attention à nous tous. Nous sommes tous Congolais. On est tous des compatriotes. Quand ce problème arrive, on vient pour assister la famille. Merci pour vous parce que ces derniers temps, les Congolais s'accrochent. Sincèrement, félicitations à nous, les Congolais. Merci. Mais avant de donner la parole à notre sœur qui va faire cette prière, mes chers parents, réfléchissons ensemble. Ici en France, le blanc, l'homme blanc, ne sort jamais, jamais, je dis bien jamais, 4000 euros, 5000 euros pour enterrer un proche. Je dis bien jamais. L'homme blanc vit avec des assurances. Avec 50 euros simplement par année, notre frère doit partir au pays. Pour 50 euros, patakoumi. Or aujourd'hui, vous avez tous connu pourquoi il y a eu ce retard, parce que, pour l'interrogation. Mes chers parents, sincèrement, chaque fois je dis ceci, parce que je suis dans ce domaine, je sais comment ça se passe. Faisons-nous tous des assurances, mes chers parents. Ça ne coûte pas cher. Patakoumi, 50 euros toute l'année. Toute l'année. Merci, mes chers parents. Excusez-moi si je te parlais, mais je m'en excuse. Maman, c'est la prière. Merci. Mais Sabila, ma tolo taganzami, sa monge, me fait sa bête au goulot, souffle de vie, ou quiz à wa. Mais tu me quiz avec sa mona fête, ou soit vous avez bina, mais tu me quiz à sa mona pang ya bête au mekoufoua, Nicolas Tata, pesa bête au goulot. De vous que la bête va te mekoubikana, ya sa la bête au leçon, ce que. L'air bête que vous venez à Toto, bête fin à Boubanzi, la moelle, parce que jour à Boufoua, il y a deux fois bête que vous avez, mais à Ouvé, nous connaissons à Pessa Bétongolo, Samu Béton, ou dit la Panga Béto, na Zola, na Yenge, na Nyonzo, Tata, il a un gémosco Pessa Babé, Tata, bon aussi, famille aussi, il a un qu'éprouvé Pessa Bangolo. Tata Nzambi, Bika, un gémotambo, la moelle, il y a Panga Béto, Jean Fofana. Ndima yandi tata na maboko yange tata kulefukela yandi na nyonsi yangu kusala na toto bwaba banda na yale tango nyonsi tata nzambi paske toto ke pasi nge mekuzaba Yesu Kristu nge mosi kuvanda kwa nge mezaba nyonsi kuvanda kuluta wana yina ke kuluta kawa banda na beto tango nyonsi. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5 verset 16 à 18 que rendez grâce en toutes choses nikuna tata. Petite na kurondo grâce na nyonso yai na frère abete amekufwa vanda na beto tangu nyonso bika nyonso ke kulomba na kumbwa Yesu Kristo mbulisi ya beto. Amen. Mais il faut l'accepter tel qu'il était, garder une bonne image de lui. C'était mon papa, je l'aimais, je l'aimerai toujours toute ma vie. Donc il va beaucoup me manquer. Merci. Au revoir. Je voudrais ici lire un poème d'un ami et compatriote, il s'appelle Alain Mabanko. Et ce poème s'appelle Rite funéraire. Ici repose, me dit ma mère, approche et regarde, la pierre tumulaire est tiède, nous n'avons pu attendre. Son âme erre dans cette salle, hier quelqu'un l'a vu longer le torrent, claudiquant avec sa canne. Nous avions fait l'offrande au génie, le sang rutilant d'un coq blanc et le vin de palme versé au sol. Nous avions jeté ses souliers dans l'affluent, mais on le voit toujours. Ce soir, nous déposerons une lampe tempête sur son caveau. Nous l'allumerons toutes les nuits afin que son ombre qui hante le village retrouve les centres de la demeure éternelle. C'est toi seul qui lui parlera. Entre la fin du jour et de l'apogée d'un autre, tu prendras cette allée de bananeraie. Tu ne regarderas pas derrière toi. Tu n'écouteras pas ces voix lointaines qui t'appelleront.
et tu marcheras avec cette cordée qui retira ta vie. Devant son tertre, tu lui feras ce nœud et prononceras trois fois son nom avant de te dire maintenant, Fofana, repose en paix. Ça, c'est rien. Ah!
ba maman. Ba maman ya. Ber mo sesal mena manji men bonda zo liandi. Le bet bonda ko na mu yonzi. Ya mo na yim ya aussi. Donc bet mo sesal ya wo. Ça peut être tout mo shot. Parce que faire le bet de kofana, bonda zo ya aussi. Donc on va mettre cette chanson et nous tous nous allons danser à la mort de Fofana. Et nous sommes tous dans le Yolele
droite, le Parisien. Non. Parisien, le Parisien. Azozaka, Batoubaka. Nous sommes le pape là-bas. Avec Christ, lui donna une opportunité d'avoir une destinée meilleure, d'avoir une vie espérée, d'avoir une vie comme on nous a toujours laissé apprendre, qu'après la vie sur terre, nous irons au paradis. Mais le paradis, en réalité, se construit en ce que nous-mêmes, nous connaissons le Seigneur et que nous marchons avec lui et il est capable, parce que notre capacité peut venir de nous et que notre capacité vient tout simplement de Dieu. Nous ne sommes pas plus forts que la mort, nous ne sommes pas plus forts que la vie, nous ne sommes pas plus forts que toutes les manifestations, même du royaume des ténèbres, mais nous sommes plus forts en Christ, parce qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Personne ne dira aujourd'hui qu'il est capable, lui tout seul, de triompher, parce que ce que nous espérons, c'est ce que Christ est venu faire pour nous, car nous savons qu'il est venu mourir pour nos péchés, et personne d'entre vous aujourd'hui pourra se déclarer pécheur. Nous savons que nous sommes justes parce que Dieu nous a justifiés. Et que si nous vivons, c'est parce que lui, il vit en nous. Et ce qu'il nous donne, c'est le meilleur de lui-même. Voilà pourquoi je vais inviter quelqu'un aujourd'hui à réaliser, à comprendre, à connaître que ce n'est pas par sa propre force, mais c'est par lui-même, le Seigneur en lui, qui lui accorde cette force, cette capacité, cette puissance, cette demeure sur la terre des vivants. Demain, ce serait peut-être moi. Demain, ce serait peut-être vous. Aujourd'hui, sur le chemin de notre destinée, Dieu a croisé notre bien-aimé. Nous devons célébrer, nous ne devons pas nous réjouir, nous devons plutôt nous réjouir de ce que notre bien-aimé est parti dans les lieux célestes et que nous le croyons et que nous savons que dans son lieu de repos, il aura l'assurance, il aura la quiétude, il aura la ferme conviction qu'il aura vécu sur la terre des vivants et qu'aujourd'hui, il va continuer à vivre dans les lieux célestes que Christ a destiné pour nous et que nous savons que nous sommes tout simplement des pèlerins sur la terre. Je n'ai pas encore lu un petit verset. Je vais vous seulement lire un, et puis je lirai un deuxième, et je finirai par vous amener dans le chemin, puisque je peux vous amener. Le but, c'est que nous puissions simplement réaliser que si nous vivons sur la terre des vivants, c'est que Dieu nous connaît. Et personne ne me dira aujourd'hui que Dieu ne le connaît pas. Mais mon exhortation réside dans le sens que si nous savons ce que nous sommes réellement, nous le sommes en réalité en Christ. Et qu'en Christ, c'est-à-dire dans le Seigneur Jésus, peu importe. Je ne dirais même pas la religion. Peu importe l'obédience que tu peux adopter, mais la seule condition à laquelle je vais vouloir te demander, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, c'est de savoir que toute chose en toi que tu pourras faire, tu pourras parvenir à cela, tu réussiras à cela, que juste t'accroches aujourd'hui au Seigneur.
ne vais pas te demander de vouloir peut-être croire, de vouloir penser à ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, que les gens disent ceci ou cela concernant une certaine église ou bien une églisette, mais Christ en toi. En réalité, c'est le Seigneur qui doit te conduire lui-même. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas une église, mais va avec la foi que tu as, va avec la croyance que tu as, va avec le pouvoir que tu as, toi-même d'honorer, toi-même de célébrer, toi-même de prier ton Dieu, Dieu te révélera le chemin à laquelle il t'a prédestiné. Quelqu'un me comprend? Je vais dire ceci, que ce n'est pas dans la détresse, ce n'est pas dans les angoisses, ce n'est pas dans l'abondance qu'on a besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Dieu nous aime tels que nous sommes. Mon frère, ma soeur, ne te fais aucun reproche comme quoi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que je suis encore digne d'être accepté par le Seigneur? Est-ce que je suis encore bon pour que le Seigneur me repêche? Est-ce que je suis encore plein de péchés? Car la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Seul le sang que Christ avait versé avait complètement lavé les péchés que toi, tu peux aujourd'hui encore te reprocher. Voilà pourquoi je vais t'inviter. Comme au jour d'aujourd'hui, le jour où toi tu quitteras la terre des vivants, je voulais espérer, je voulais croire que le Seigneur Tout-Puissant t'amènera avec lui dans les lieux où il a mené aujourd'hui notre bien-aimé frère Fofana. J'ose espérer encore, mon frère, ma soeur, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que vous savez, quelqu'un avait dit, mieux vaut mourir que vivre. L'apôtre Paul avait bien dit, parce qu'il avait tellement compris qu'il y avait un cieux dans les cieux. Ce n'est pas dans les cieux quelque part autre, mais quelque part où nous avons notre prédestiné, quelque part où nous avons un lieu de repos, quelque part où nous savons qu'après avoir connu tout sur la terre, après avoir surmonté les défis que nous rencontrons chaque jour dans la vie, nous savons que nous devons aller dans ce lieu de repos à la seule condition que nous acceptions Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Quelqu'un me comprend? Je voulais seulement inviter quelqu'un à comprendre que sa vie est sa vie, mais sa vie à elle est contrôlée par celui qui contrôle toutes choses. Parce que la Bible nous dira, le Seigneur Tout-Puissant tient le monde au creux de sa main. Voilà pourquoi il a dit, pourquoi l'homme pour que je prenne tant soin de lui? Mais je voulais aussi te rassurer que le Seigneur prend soin de toi. Le Seigneur prend soin de toi parce qu'il t'a fait une merveilleuse créature. Regarde comment tu es belle. Ce n'est pas l'œuvre de ta propre volonté, mais c'est l'œuvre du Seigneur. Si tu es tel que tu es, c'est parce que le Seigneur t'a forgé, parce que le Seigneur t'a fait, parce que le Seigneur t'a créé. Tu n'as jamais demandé au Seigneur de te faire tel qu'il a fait. Tu es tout simplement l'argile entre tes mains. Permets tout simplement qu'il puisse te façonner. Non pas physiquement, qu'il puisse te façonner en profondeur, qu'il puisse changer ton cœur. C'est pourquoi quelqu'un comprendra que quand Christ vient dans le monde et quand tu commences son ministère, la seule chose va commencer par dire, va seulement dire, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il ne dit pas repentez-vous, confessez vos péchés, non. Il dit seulement, change ta façon de parler. Change ta façon de penser. Ce qui revient à dire, repends-toi, ne veut pas dire, confesse, agenouille-toi, prie, tout simplement, change ta façon de penser. Avant, si tu pensais par toi-même, commence à penser Seigneur. Avant, si tu mangeais par toi-même, commence à rendre gloire grâce à Dieu, parce que c'est lui qui t'a connu, c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a formé à son image. Je vais en passer par là. Merci Père, parce que tu nous as fait grâce, tu nous as tirés, tu nous as venus devant toi. Merci grâce, merci Père, parce que tu as permis ton bien-aimé, mon frère, ma soeur, et toute cette modeste exhortation. Merci Père, parce que tu nous as réunis en ton nom. Oh,
Là c'est wa kwa kabe sushi na Sous-titrage Société Radio-Canada.
message forcé à Maya Maya. Ah, la tibia n'a pas de bisséga. Le même flot, ma fouine. À droite, au cercle de Paris, on va tout, l'équipe la main, ma fouille. Thank you.
fait, je trouve ça assez... Je dirais pas bizarre. C'est mystérieux, c'est... Non, il manque même pas. Pour le grand frère, c'est... Mais je tiens aussi parce que vous êtes là, hein. Sinon j'aurais pas tenu. Croyez-moi. Je voulais revenir un instant sur l'histoire de Alphonse, je l'appelais comme ça, Ali, hein, Assaf. Il est arrivé ici en 2003. Je me permets de dire ça parce que nous sommes ici presque en activité. Il est arrivé ici en 2003. Il fait mal au cœur. Il prend un rendez-vous. C'est quelque chose que... Mais la vie ne sera plus pareille. Parce qu'il manque. Il était... Ah, il mais je vais prendre le temps pour essayer de se dépasser. Donc j'essaie de faire. C'est ça. Je reste toujours. D'un côté des femmes. C'est pas normal. Qui est rentré le premier dans l'appartement? Je ne sais pas. On me dit que c'est M. Terrasse, un Portugais. A-t-il pris le portable de Foucault-là? Ça, je n'en sais rien. Il est très difficile, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des enquêtes de police, parce que quand vous n'avez pas l'histoire de la mort de quelqu'un dans la tête, ça, vous ne pouvez pas faire le deuil.